There's a nail in the door and a glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV is on. And I know where to sleep with my girls when you're gone. There's a plaid by the bed and a phone in my hair. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops and I just can't stand. What should I do? I'm just a little baby. What if the lights go out and maybe, and then the waves just start to move outside the door? He followed me home. Wait, good night, moon. I want. Bonjour tout le monde. Donc c'est Elodie, An Eating Journey sur les différents réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram, Ravelry. Vous pouvez également me trouver sur mon blog qui s'appelle donc An Eating Journey aussi. De toute manière, je vous mets toutes les références comme d'habitude en bas. Alors tout d'abord, bah, je vous remercie déjà parce que je vous avoue que j'ai eu une petite vague d'abonnements. Alors j'ai pas trop compris à quoi c'était dû. J'ai aussi beaucoup halluciné sur le nombre de vues que j'ai sur mon dernier épisode. Parce que je m'attendais pas du tout à ça, je suis à plus de 2000, enfin voilà, j'ai été très agréablement surprise et voilà, donc je tenais vraiment à vous remercier, parce que ça fait super plaisir, enfin en plus j'ai plein de monde qui m'a laissé des petits commentaires trop gentils, qui m'ont conseillé par rapport à, dans mon dernier épisode je disais que j'arrivais pas à choisir le prochain pull que j'allais tricoter, j'ai eu plein de conseils qui avaient tous leurs arguments, vous verrez ce que j'ai choisi d'entamer. Enfin bon voilà, donc je voulais vraiment vous dire mille merci. Bon le petit, je pense que post-AEF tout le monde a un peu un petit moment d'émotion. je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas enfin, voilà, c'est vraiment une communauté qui je trouve est très bienveillante, très accueillante. Et je suis très contente d'être tombée dedans par hasard parce que vraiment enfin, ça m'a permis de rencontrer des gens que j'apprécie énormément, de trouver quelque chose qui me passionne vraiment. Et c'est super quoi. Alors, la luminosité n'est pas trop mal pour l'instant. Par contre, je tourne assez tard, donc j'espère que ça va aller quand même. Ce que je vais faire du coup, c'est que mon débrief AEF, je le ferai à la fin de l'épisode. Comme il y aura pas mal de blabla, enfin le blabla globalement, je le ferai peut-être plutôt à la fin de l'épisode. Comme ça, là, je vous montre. Enfin voilà, je pense que pour voir les projets en cours, projets finis, etc., le mieux c'est quand même à la lumière. Alors, je suis très très excitée, comme vous allez. Enfin, vous avez pu le voir avec le titre, parce que j'ai une idée du titre que je vais mettre. Je peux enfin vous montrer le pull que je porte. Donc qui est le fameux pull Oli designé, donc le dernier design qui vient de sortir cette semaine de Marie-Amélie. Alors, c'était mon premier test, ce pull. C'était aussi la première fois que je faisais un pull avec ce type de construction-là, dans le sens où pour l'instant les seuls pulls que j'ai fait, c'est le Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Léchelle, où on commence direct avec le col et par raglan. Et l'autre, c'est le Grande Favorito, l'île Grande Favorito, mais c'est pareil en fait. Donc là, c'était vraiment une construction toute nouvelle pour moi. J'avais vraiment envie de tester pour Marie-Amélie, puisque c'est une créatrice que j'adore, que j'ai la chance de côtoyer de temps en temps, et qui est vraiment une personne, autant humainement, voilà, c'est quelqu'un vraiment que j'apprécie, et en plus de ça, moi j'adore le style de ses modèles. Et maintenant que j'en ai tricoté un, je ne peux que confirmer que ces patrons, c'est très bien écrit, très bien pensé. Et puis, très franchement, je l'ai testé, mais je ne referai plus de test, mais ce n'est pas du tout lié au test en question. Je pense que pour l'instant, en tout cas, c'est trop tôt pour moi. Je ne suis pas assez rapide. En plus, je pense que je suis quelqu'un qui...
qui concrètement n'aime pas la contrainte. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce test-là, je l'ai fait en même temps que je faisais mes cadeaux de Noël. Donc j'avais un peu l'impression de tricoter que des choses. Bon, alors attention, j'ai pris un très grand plaisir à tricoter ce pull de Marie Amélie, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais comme sur tout ce que je tricotais, il y avait une deadline, j'ai eu des moments où. Enfin, où j'ai moins pris un plaisir. Voilà, j'aime bien si j'ai envie de tricoter tel projet, je le fais. Si j'ai envie de tricoter tel autre, je le fais. Ça veut pas dire que j'aime pas les projets que je tricote, mais c'est que, enfin voilà, j'aime bien alterner. Je pense, j'aime bien changer et j'aime pas que ce soit dans la contrainte. Je pense que comme d'autres personnes, enfin voilà, moi j'ai un travail où il y a des deadlines, où il y a tout le temps des contraintes continuellement. Je suis dans le service. Enfin, la relation B2C, donc voilà, c'est pas. Il y a des fois où c'est un peu stressant et contraignant, du moins. Et du coup, je pense que c'est que. Faut pas que je retrouve ça dans le tricot, parce que le tricot, c'est justement le moment où j'ai pas de contraintes, où je fais juste quelque chose qui me plaît et c'est tout, quoi. Donc, bon, bref. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que le test, moi, je l'ai rendu en retard. J'étais très, très gênée parce que Marie-Amélie, elle est. Enfin, encore une fois, elle est adorable. Donc, voilà, j'étais vraiment très gênée. Et en plus de ça, enfin, je veux dire, à part les deux filles qui ont tricoté plus vite que les autres, enfin, je veux dire, moi, j'ai relevé aucune coquille dans le patron, quoi. La majorité des coquilles qu'il y avait, c'était plus soit éventuellement une erreur sur un petit calcul, soit des fautes de frappe, quoi. Mais enfin, c'est hallucinant. J'ai rien eu besoin de défaire tout le long du test. Enfin, vraiment, c'est d'une qualité. C'est ce que je disais, moi limite, on m'en parlait avec une des testeuses par commentaire interposé, c'est que enfin, moi j'avais envie de lui acheter limite le patron, puisque je considérais que quand on teste, donc Marie-Amélie nous offre, enfin, automatiquement le patron il est offert, c'est pas que Marie-Amélie, j'imagine c'est tous les tests, enfin, pour tous les tests. Concrètement, je ne. Enfin, moi je le payerai, quoi. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Marie-Amélie, je la suis sur Patreon. Je sais pas si vous avez vu, mais donc elle s'est inscrite sur un site où en fait vous pouvez vous abonner à différents degrés de comment dire de mensualité. En gros, vous pouvez payer. Alors je connais plus les montants, mais en gros, il me semble que c'est 2 euros, 5 euros, 10 euros que vous pouvez donner tous les mois. Et en échange, vous avez du contenu de la part de Marie-Amélie. Donc un patron par mois. Vous avez. Enfin bon, bref, je vous laisse regarder. Je vous mettrai le nom en bas. Mais donc voilà, c'est pour ça que je la suis sur Patreon, puisque c'est tellement de bonne qualité ce qu'elle fait que. Enfin, que ça me dérange absolument pas de payer pour son travail, quoi. Enfin, si. Alors, je pense que. Vous avez peut-être compris aussi pourquoi je dis ça pour certains. Je fais juste une légère aparté, mais parce que ça m'a tellement. Ça me fait tellement mal au cœur, moi, je comprends pas cette mentalité que j'ai besoin d'en parler. Alors, je parle pas du tout pour Marie-Amélie. Je parle vraiment pour moi et en règle générale. Pendant le week-end, là, on a vu qu'il y a une des testeuses sur ce pull, sur ce modèle. Donc je vais vous en parler juste après, ne vous inquiétez pas. Mais il y a une des testeuses du modèle qui a proposé publiquement sur internet à quelqu'un qu'elle connaissait de lui refiler le patron qu'elle allait avoir parce qu'elle avait testé, donc qu'elle pouvait lui donner, quoi. Gratuitement. Enfin, je veux dire, pas lui acheter, lui offrir, lui donner la version papier qu'elle a eue. Moi, ça, c'est des comportements que je comprends pas. Alors, je sais pas si c'est lié. Je sais pas à quoi c'est lié. Je sais pas comment c'est possible de faire ce genre de choses en toute impunité. Je ne le comprends pas. Enfin, je veux dire, on se lève tous les matins pour aller travailler. Il faut comprendre que c'est du travail de designer des modèles. En plus de ça. Marie-Amélie, c'est une designeuse, encore une fois, qui produit des patrons de qualité, qui a plein d'idées, qui est innovatrice dans sa manière de monter les pulls, etc. Enfin, je veux dire, je peux pas comprendre qu'on puisse faire ça, en fait. Et bon, si, voilà, en tout cas, moi, je le dis, je le redis. C'est sa profession, c'est son métier. Donc à partir du moment où vous redistribuez quelque chose qui est censé être payé, c'est simple, c'est du vol en fait. Alors est-ce que le fait que maintenant avec Internet les gens se rendent moins compte, je sais pas, parce qu'au final c'est comme si vous rentrez dans un magasin, vous prenez quelque chose et vous repartez en voulant quoi. Enfin c'est exactement la même chose. En plus, hein, je veux dire, bon après j'arrête, mais. Enfin, je veux dire, c'est que les personnes qui choisissent, donc que ce soit Marie-Amélie, que ce soit Anna, enfin, je veux dire, les personnes
ne travaillent plus et font du design leur métier. Enfin, je veux dire, moi personnellement, je peux que avoir envie de les soutenir parce que c'est un risque énorme qu'elles prennent et c'est un risque qui paye, enfin qui paye. C'est un risque qui est d'une utilité pour moi. Enfin, moi, je suis très contente d'avoir des patrons de cette qualité-là. Et enfin, dans la vie, c'est comme tout. À partir du moment où vous avez un service ou vous avez un objet, vous en payez le prix, quoi, parce que derrière, il y a du temps, il y a de l'investissement, enfin bon, bref. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. En tout cas, je sais que bien heureusement, c'est pas la majorité des gens, mais par exemple, moi j'ai appris qu'il y avait carrément des groupes Facebook où les gens s'échangeaient les patrons les uns les autres. Enfin voilà, moi ça me sidère, je ne comprends pas. Si jamais il y a des personnes qui font ça, qui me regardent, alors soit vous l'avez fait sans avoir conscience de ce que vous faisiez, et à ce moment-là, j'espère que vous arrêterez de le faire. Et si pour vous c'est normal et vous ne voyez pas où est le problème, je vous invite à plus me regarder, parce que je veux pas être en lien avec des personnes qui ont ce système de fonctionnement, quoi, ça ne m'intéresse pas. Bref. Donc, on en revient à ce super modèle que j'ai testé pour Marie-Amélie. Donc, c'est le pull Holly, donc HODLY, enfin, je le mets en bas de toute manière. Alors, il y a différents détails sur ce pull. Donc, c'est un pull qui est tricoté. Donc, Marie-Amélie préconisait de le tricoter en déca. Moi, j'ai tricoté en sport, mais parce que je tricote un peu moins serré que Marie-Amélie. Donc, moi, j'ai utilisé une laine de chez Malabrigo. Donc, c'est la qualité Arroyo. Donc, c'est de la soque, en fait. Où est-ce qu'il y avait mon étiquette? Je crois que j'ai perdu mon étiquette. Bon, bref. Donc voilà, donc c'est cette laine-là, c'est le coloris lavanda. Moi j'avais un échantillon. Non, pardon, c'était pas ça que je voulais dire. Je vais vous chercher le métrage, mais je ne le retrouve plus. Je crois que de mémoire, on est à 360 mètres environ pour 100 grammes. Donc c'est un coloris qui va du gris beige jusqu'à des speckles de violet assez épatant, assez intense. Je sais pas si vous voyez très bien. Ouais, en tout cas sur le pull vous allez le voir. Donc il est tricoté en 4 mm et moi j'ai eu donc l'échantillon demandé était de 22 mailles pour 32 rangs. J'ai fait la taille 100. J'aurais peut-être pu faire la taille au-dessus, mais j'ai un peu grossi quand j'ai arrêté de fumer, donc j'ai un peu du mal maintenant avec ma taille, il faut que je me réhabitue. Ce pull, donc c'est un pull qui est tricoté en top-down. Donc on commence d'abord par hop, les bandes de torsade des épaules. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez une torsade qui démarre hop d'ici et qui va suivre toute la manche, hop, qui se termine en côte. Voilà. Donc on commence par les torsades. On va d'abord faire, je ne sais plus dans quel ordre c'est, mais le dos, le devant. On va ensuite joindre en rond. On fait le corps. Sur le corps, vous avez aussi, hop, donc le même système. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Ah voilà, nickel. Donc en fait, vous retrouvez la torsade qu'il y avait sur l'épaule, donc qui va tout le long, hop, des côtes. Et sur les côtés, en fait, vous avez des côtes en diagonale. Alors là, on voit peut-être pas ultra bien. Je sais pas si je peux vous montrer mieux. Alors. Ah, je sais pas trop comment faire. On va faire comme ça, c'est mieux. Voilà, je sais pas trop si vous allez voir. C'est pas évident avec ma laine. Coucou, c'est peut-être pas la laine qui met le plus en valeur ces points-là, mais vous pouvez aller voir. Il y a des testeuses qui ont choisi des laines avec moins de nuances. Et pour le coup, avec les laines moins nuancées, on se rend mieux compte. Donc voilà, donc je vais essayer de. Je sais pas trop comment faire. Est-ce que je peux reculer ça? Je vais reculer ça. Hop, pour essayer de vous montrer un peu mieux. Ouais. Hop, voilà. Donc, il y a des petites diminutions au niveau de la taille. Il est assez fité, sans être moulant. Hein, voilà, il suit les formes du corps. Voilà. J'ai adoré le tricoter. Alors, je vais rapprocher ça maintenant quand même. C'est un modèle que j'ai adoré tricoter. On s'ennuie pas. Alors moi, je tricote un peu doucement, donc j'ai mis du temps à le faire, mais je sais que il y en a qui ont dû le finir en 2 semaines et demie, je crois, 3 semaines, quelque chose comme ça.
Ça a été vraiment, enfin voilà, ça a vraiment été un bonheur. On est sur donc des côtes pour finir les manches. Ici, il y a quelques côtes hop, en haut. Et puis donc en bas du corps, c'est pareil, ça se finit en côte. Alors, moi j'ai fait exactement la longueur qui était préconisée par Marie-Amélie et j'avais un peu peur parce qu'il était un peu court et un peu trop fité pour le coup. Mais au blocage, alors j'ai pas compris puisque ça correspondait pas à ce qui s'était passé avec mon échantillon, mais bon, c'est pas grave. Au blocage, il s'est quand même détendu. Donc du coup, j'ai gagné 3,5 cm, non, 3 cm à peu près en longueur et 3,5 cm en largeur au blocage. En sachant que je l'ai mesuré, du coup, j'ai bien les 100, je crois que j'ai 101 cm. C'est fini, bloqué. Donc voilà. Donc j'en suis très très contente. Je vous conseille. Franchement, c'est un pull qui est. Enfin, moi je le mets au travail sans souci. Tous mes collègues de boulot l'ont trouvé beau. Ma mère l'a vu, elle n'en pouvait plus. Elle m'a dit, mais il est magnifique ton pull. La laine, je l'aime beaucoup. Alors là, je l'ai déjà pas mal porté. Et alors, dès la première fois que je l'ai porté, ça boulochait un petit peu. Mais ça bouge plus depuis. Donc, bah tant mieux, hein, c'est pas. On va espérer que ça dure. Voilà, donc c'est mon seul projet fini pour aujourd'hui. Je n'ai pas fini mon Bird of a Feather. Honte à moi. Parce que vous allez voir, j'ai pas mal avancé sur le Brioche Delicious et j'ai dû le recommencer en plus. Donc, je vais quand même vous montrer où j'en suis sur mon Bird of a Feather. Donc, pour rappel. Le Bird of a Feather, c'est un châle de Andrea Mori, qui a la même construction que son autre châle très connu, le Find Your Fade. Moi, c'est un tricot que je fais avec des laines du Petit Point Parisien, de la boutique donc, qui est vers Montmartre. Donc, c'est le coloris Candy Crush. Donc, vous avez deux échevaux, un qui est plus rosé que l'autre. Donc, voilà, j'avais pris deux échevaux de sa base fingering basique et un écheveau de mohair. Hop. Et donc c'est un châle où vous avez justement une alternance de points mousse de dentelle en alternant le mohair et le. Hop, dans ce sens-là, ça sera mieux. En alternant le mohair et la fingering. Hop. Donc là, j'en suis ici. Donc j'ai déjà pas mal. Hop, j'ai quand même pas mal avancé, j'ai quand même pas mal avancé par rapport à la dernière fois. Là, il me reste deux sections plus la bordure. Donc ça ne saurait plus trop tarder. Je suis très contente, j'en suis vraiment ravie. Si je suis pas spécialement pressée d'avancer tube, c'est parce qu'en même temps, c'est plutôt des couleurs printanières, donc je vais pas le porter tout de suite. Et pour le coup, mon brioche à licheuse, j'aimerais bien le mettre d'ici la fin de l'hiver, quoi. Mais on a un peu de marge vu le temps qu'on a ces derniers jours. Mais bon. Du coup, voilà, je le tricote quand même un petit peu, mais c'est pas ma priorité là en ce moment, le Bird of a Feather. Par contre, voilà, toujours autant un plaisir de le tricoter, j'adore les laines. Mais ça, je l'ai déjà dit dans mes précédents épisodes, donc si vous ne les avez pas vus, je vous invite à aller les voir, si vous voulez en savoir plus sur ce modèle-là. Donc ça, c'est mon premier en cours. J'en ai quelques-uns là quand même, hein. J'ai un peu craqué quand même sur les en cours, mais bon. J'ai pas avancé le Dandelion Cardigan depuis la dernière fois. Je le reprendrai un peu plus tard. Là, je vais déjà avancer un peu sur finir un des deux châles et puis je reprendrai après. Ensuite, donc je voulais vous parler du châle Brioche Alécheuse que je fais dans le cadre du cal qu'on organise avec Aimi, donc Soconite sur les réseaux sociaux, et Nono Nicolas. Donc le cal délicieuse brioche. Donc c'est un cal qu'on organise. On est très étonnés parce qu'on est presque 100 à le faire. Ce qui est assez hallucinant parce que
Enfin, c'est pas un cal. On en parlait avec Sylvette, elle a raison, c'est elle qui m'a dit ça. Elle me dit en même temps, c'est pas un cal général, c'est un cal sur un modèle. Donc c'est quand même assez hallucinant d'être aussi nombreux, quoi. Surtout que c'est un modèle qui existe depuis un moment, il vient pas de sortir, donc voilà. Donc pour rappel, le brioche à des choses, à la base, je l'avais commencé avec cette laine en couleur principale. Donc c'est de la Mérino, 100% Mérino retordu que m'avait offert Mélise du podcast La Boutiqueuse. Donc c'est une laine qui est très bien, hein. Mais j'ai commencé le brioche à des choses et pour le coup mes couleurs contrastantes c'est toutes de la single, un peu poilue de chez Madeleine Tosh. Et le mélange des deux me dérangeait. Autant sur certains modèles mélanger de la single et de la retordue ça me choque pas, je l'ai déjà fait, mais là sur ce modèle-là ça me dérangeait. Et donc je reportais, j'y touchais plus pendant un moment, j'en étais déjà à la deuxième section de point mousse, enfin, je l'avais presque fini, donc bon j'avais avancé quand même. Et puis il y a eu l'AEF. Et je pense que dans le fond de ma tête, je savais qu'à l'AEF, j'allais craquer, acheter de la laine et le recommencer parce que c'est pour ça que j'y touchais plus. Du coup, voilà, au deuxième ou troisième jour que j'y suis allée, puisque j'y suis allée pas mal de fois, je me suis dit, allez, je vais prendre de la laine, je vais recommencer avec une autre laine parce que ça ne me satisfait pas. Et si c'est pour qu'au final, je sois déçue, enfin, c'est quand même un gros projet le brioche à l'écheuse en temps de tricot. Ce serait dommage quand même enfin voilà, de bien l'aimer, mais sans plus, quoi. Donc du coup, dans un premier temps, j'avais repéré à la maison tricotée, donc au stand de la maison tricotée, donc qui est si je ne me trompe pas, c'est la maison tricotée, qui est la boutique québécoise qui était présente sur les stands. Il y avait une marque qui s'appelle Je Tricote, Tu Tricotes, avec des laines magnifiques sur une base de mérino, cachemire et soie, il me semble. Non, Mérino Alpaga Soie. Oui, c'est ça. D'une douceur merveilleuse. Sauf que j'avais repéré un beige clair qui aurait été bien, mais il restait plus qu'un écheveau et j'en avais besoin de deux. Mais de toute manière, ce n'est pas grave parce que bon, je vous en reparlerai plus tard, mais j'ai un peu squatté le stand de Pauline, donc l'énamourée, puisque d'une, elle est adorable. Sa mère et son chéri étaient très gentils aussi. Et puis, Célène, c'est. Voilà, j'ai une révélation pendant la EF. CSF, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas spécialement accroché sur les laines de Pauline. Mais pourtant, enfin, il y en a plein, c'est les mêmes. Hein. Je sais pas si c'est une question de lumière ou d'état d'esprit. C'est vrai que j'y étais allée tout de suite en arrivant. C'est le premier stand que j'ai fait. Je l'avais fait tout de suite à 9h à l'ouverture. Peut-être j'étais tellement excitée de voir tout que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin, bon, bref. Donc, du coup, j'ai pris à Pauline. Deux écheveaux de sa base Gaïa, donc c'est la Mérino soie, c'est d'une douceur et d'une brillance, mais voilà, c'est magnifique. Et donc c'est le coloris à la croisée des vents. Alors il y avait plusieurs bains, du coup moi j'ai pris le plus clair, comme c'est un peu un gris beige, j'ai pris le plus clair pour que ça aille le mieux possible avec mes couleurs. Donc pour rappel, mes couleurs contrastantes, on a dans un premier temps la glaze pécante de Madeleine Tosh, dans leur qualité Tosh Merino Lights. Hop, donc attendez, je vais vous montrer si vous voulez. Hop, voilà. Ça c'est toutes mes étiquettes. Donc la Tosh Merino Light, c'est le glaze pécant. Après mes autres bases, oui, enfin l'autre base pour mes deux autres pelotes contrastantes, c'est la Molite. La différence entre les deux, c'est qu'il y a un peu de mohair dans la deuxième. Voilà, et puis la Gaïa. Donc, glaze pécant. Fantasme. Donc qui est une merveille. Et le dernier, Boomslang. Hop, une merveille aussi. Donc, ça donne ça. C'est pas mal, hein? Je suis tellement contente d'avoir changé de couleur principale. Et donc, où j'en suis? Eh ben, je vais vous montrer ça de suite. Alors, il faut que je fasse attention parce que j'ai pas d'aiguilles. Là, je les ai prises pour un autre projet. Alors que je fasse pas de bêtises. Voilà. Donc, je viens de finir la deuxième section de brioche. Voilà.
Ils perdent des mailles. Ah! Voilà. Donc voilà, la fantasme tricotée, la glace piquant et cette merveille de Pauline. Je suis super super contente parce que je pense que c'est, enfin voilà, c'est exactement ce que je visualisais pour ce projet-là, c'est exactement les couleurs que je visualisais pour ce projet-là. J'ai eu de la chance, je n'ai pas eu de soucis avec ma brioche. Voilà, il y a. Là, elle rend. Je suis très contente aussi du rendu, parce que j'avais un peu hésité sur la taille d'aiguille, etc. Mais là, je suis très contente. Au final, je tricote tout en 3,75. Je fais pas de différence entre les deux. Donc voilà, du coup, ça se passe super bien. J'ai recommencé, hein, j'ai tout détricoté quand j'ai changé de laine. Mais je veux dire, à part ça, pour l'instant, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de soucis avec la brioche. Et du coup, je suis fan de la brioche. Je pense que régulièrement je vais en faire. Après, je ferai le vortex assez rapidement. Donc, le vortex châle, qui est un châle que j'ai présenté dans mon dernier épisode, pour lequel j'ai déjà le combo, les laines, etc. Enfin, vraiment, voilà, moi je trouve ça super agréable. Je trouve que le geste, on le retient vite. Vraiment, je me régale à faire ce modèle. Je suis très contente. Et puis je suis très contente de voir qu'on est autant de participants, quoi. Je trouve ça super. Vraiment, enfin, ça fait super plaisir. On en parle souvent avec Amy et avec Noémie. Voilà, c'est. Merci. Donc, voilà pour mon deuxième en cours qui est le plus actif, hein, je pense, pouvoir le dire. Hop. Et pour finir, la dernière chose que j'ai castonne hier, donc c'est tout frais. Attends, je vais juste boire un petit coup d'eau parce que j'ai la voix qui commence à dérailler. Ah, j'ai rien pris pour poser mon sachet de thé, c'est pas très malin ça. Ah, on va faire ça comme ça, tant pis. Oui, donc du coup, pardon, mon dernier en cours. Petit clin d'œil, elle se reconnaîtra. Oui, je m'en sers. Alors, le dernier en cours, c'est le Zweig de Caitlin Hunter que j'ai castagne hier. Donc, dans mon dernier podcast, je vous expliquais que. Il y avait trois pulls que j'avais envie de faire, pour lesquels j'avais déjà les laines, etc. J'ai acheté les patrons. Il y avait le Ravello, l'Alocasia de Marie-Amélie et le Zweig. Et en fait, les trois, j'aime tellement mes laines et j'aime tellement les projets que j'ai envie de faire les trois, quoi. Donc, j'arrivais pas à me décider. Et il y a Tricot Cool qui a eu une réflexion très intéressante. C'est qu'elle me disait que si je fais le Zweig maintenant et que je me dépêche, j'aurai encore le temps de le porter, probablement, vu que c'est le plus hivernal des trois modèles. Le Ravello, il pourra se porter au printemps, et puis l'Alocasia, comme il est quand même échancré, etc., je pense que les soirées d'été, ça peut même être bien. Donc je pense que je vais les faire dans cet ordre-là. Donc, pour le pull Zweig, j'avais pris comme laine, enfin j'ai choisi comme combo de laine. Hop. Donc, une laine de la Féfil que j'avais achetée à CSF justement en 100% Merino Single, donc le coloris dans la barbe de Merlin, je vais vous montrer. Donc, c'est cette laine. Hop, pardon. Que j'avais présentée, si vous voulez l'avoir en écheveau, je l'avais présentée dans mon épisode post-CSF. Et en couleur, donc ça c'est pour la couleur contrastante. Et pour la couleur principale, j'ai pris à Aurore de Maison Corlaine les écheveaux que je vous avais montrés la dernière fois, donc le coloris Alexandre. Voilà. Donc,
J'ai un peu mis du temps à le commencer parce que j'ai pas du tout le bon échantillon. L'échantillon de Caitlin Hunter, elle demande 24 mailles pour 31 rangs en 3,75 avec de la fingering. Alors pour moi, c'est impossible. Moi, en fingering, je suis à 26 mailles, quoi, à peu près. 26, 27 même. Donc du coup, c'était impossible. Alors je m'étais un peu posé la question, est-ce que j'augmente de taille d'aiguille ou est-ce que je fais une taille au-dessus? Enfin, je choisis la taille que je fais en fonction de ça. Et après, voilà, mon échantillon, je le trouvais bien. Je vais vous le montrer. Je l'avais montré un peu sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est l'échantillon que j'ai fait avec le point texturé, etc. Un peu de jacquard pour m'entraîner. Enfin, moi, je trouve que le rendu, là, il est très bien, quoi. Si je montais en 4, j'avais peur que ça fasse trop. Enfin, moi, j'aime quand même bien quand les mailles sont dessinées, donc ça me dérangeait un peu. Et donc, du coup, je vais faire une taille XL en 3,75. Et bon, il sera peut-être un petit peu grand, mais bon, de toute façon, moi, je trouve que c'est un modèle qui est joli lousse, donc ça me dérange pas. Normalement, avec les calculs que j'ai fait grâce à la super vidéo d'ailleurs de Magdalena, Triple L de Mag, donc si jamais vous ne l'avez pas vue, elle a fait toute une vidéo pour expliquer comment elle fait ses échantillons, comment recalculer si on n'a pas, si on a trop de mailles, si on n'a pas assez de mailles, etc. Très intéressante cette vidéo. Et donc, à la fin de tous ces calculs, j'en suis venue à me dire, bon, bah, je vais faire la taille XL. Donc, je l'ai castagne hier et j'ai déjà pas mal avancé parce que je me suis couchée super tard pour tricoter. Hop. Alors, là, il est sur un cap de 60 pour l'instant, donc c'est peut-être pas très pratique pour vous montrer. Je vais juste. Hop. Voilà. Je mets des embouts pour pas perdre des mailles. Donc, hop, voici mon début. Donc, voilà. Ça, c'est le devant. Là, c'est le dos. Donc, on commence, on monte nos mailles. On fait quelques rangs de côte en 1-1. On tricote un peu en rond. On fait des rangs raccourcis pour former le dos. Hop. Et puis après, donc, on a le premier motif de jacquard. Donc, c'est mon premier jacquard. J'étais un peu en panique, mais. Ah, c'est dur de vous montrer, mon câble, il veut pas. Je vais vous montrer dans ce sens-là, ça sera plus pratique. Voilà. Ça me semble pas mal. On se rend pas bien compte là, mais voilà, là, c'est un peu mieux. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà. Le derrière, enfin, le. Là, je pense que je m'en sors pas mal. Voilà. Alors, bon, je tricote pas très vite, moi. Donc peut-être que pour vous, vous allez dire, oh, ça va, t'as pas tant tricoté de ça, mais que ça. Mais alors pour moi, enfin, ça représente du temps, quoi, tous de faire ça. Et donc du coup, enfin, ouais, j'arrive pas trop à le lâcher, quoi. Il est super. Donc voilà, là, je viens de finir le premier motif jacquard. Bah après, il me semble que c'est la dentelle, hein, si je dis pas de bêtises. Je suis pas le patron là? Ah, il est là. Ouais, c'est ça. Après, je passe à la dentelle. Donc, ça va être cool. Donc, oui, je pense que vous avez vu, mais donc c'est une laine à paillettes, là, la laine de Maison Corlaine. Elle est super agréable à tricoter. Je suis très très contente de mon assortiment de couleurs, qu'on voit mieux ici. Puis le point texturé en fait il est très très simple à faire donc je sens que je vais me régaler à faire ce patron là aussi. Voilà. C'est dommage que je l'ai pas fait à temps pour participer au cal organisé par Sophie etc. Mais bon, à l'époque j'avais d'autres choses à faire. Bah voilà pour mes encours. Et eh ben, on va passer du coup bah, à la partie blabla, projet à venir, AEF, etc. Si ça vous va, je vais en boire un coup. Donc,
Donc du coup, je suis bien allée à l'EEF. J'y suis allée le jeudi en nocturne avec Amy. J'y suis allée le vendredi soir, je suis allée au tricoté spécial Montparnasse qui était organisé par Ricardo, Sylvette, etc. C'était super. Ces 4 jours d'AEF, enfin, ça a été une semaine un peu difficile pour moi, la semaine de l'AEF. Et ça a été très bizarre parce que du coup, il y a eu un gros contraste entre les problèmes perso que j'avais qui me chagrinaient beaucoup et la grande joie que j'ai eue de rencontrer tout le monde à l'AEF, de partager tous ces moments. Voilà, enfin, je sais que pour ceux qui sont pas venus à l'AEF, c'est peut-être un peu en kikinant cette partie-là, mais enfin, voilà, j'ai rencontré. Donc Sophie du Tricot Monde de Sophie, qui est adorable. J'ai rencontré Caroline Création, j'ai rencontré Cécile de Que font mes mains, que voilà, enfin ces trois-là, j'ai leur fait plein de gros bisous. Mo Maker aussi, à qui je fais des gros bisous aussi, qui était toute sur le stand de Pink Bra Bazar. J'ai eu la chance de passer quelques moments avec elle. Un moment plus privilégié avec Sophie, et ça m'a fait beaucoup plaisir. Enfin voilà, c'est des personnes qui sont. Exactement pareil dans la vie que ce qu'on peut voir dans les podcasts, et elles sont authentiques, elles sont gentilles, elles sont. Enfin voilà, c'est. Bon, bref, ça a été un vrai bonheur de les rencontrer. J'ai aussi passé du temps avec mes amis d'habitude, donc j'ai beaucoup vu Amy, j'ai beaucoup vu Aurélie, j'ai beaucoup. Enfin voilà, bon, j'ai passé pas mal de temps avec pas mal de monde, j'ai recroisé Triple L de Mac, donc Magdalena, MJ, mais MJ je la vois souvent. Enfin bon, la liste est un peu longue. En tout cas, voilà, toutes les personnes que j'ai croisées et qui j'ai discuté, ça m'a fait. Voilà, ça m'a. Enfin voilà, sachez vraiment que j'ai retrouvé beaucoup de bonne humeur et de force en passant ces 4 jours-là et ça m'a fait un bien fou. Et puis en plus de ça, donc. Enfin bon, ça a vraiment été. Voilà, bref, ça a vraiment été super. Et donc oui, donc je parlais de Pauline tout à l'heure, donc Pauline de l'Énamourée. Donc voilà, je redis qu'il est vraiment quelqu'un de super sympa. Je suis très contente parce que je vais la recroiser du coup au fil de la Manche. J'ai un peu squatté le stand à baver devant toutes ces laines. Au final, je n'ai acheté que chez elle, à la EF. Alors ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, j'y étais allée en me disant, bon, il y a la maison tricotée. Il y a des bonheurs, j'ai plutôt privilégié d'acheter des laines que je ne retrouve pas forcément facilement en France. Et ben, j'ai acheté 6 échevaux, les 6 à Pauline. Bon. Donc, hop, je lui ai acheté ces merveilles. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc, hop, c'est dans sa base Aphrodite. Donc, Baby Alpaga, soit Cachemire, quoi. Le rêve. Et donc, le coloris, c'est une glace vanille fraise. Donc, je sais pas si vous voyez, si ça va bien rendre à l'écran, mais en fait, il y a. Donc, c'est un coloris naturel, mais avec du rose poudré, juste trop beau, quoi. Donc, hop, je lui ai pris 4 échevaux. Et en fait, ces 4 échevaux vont me servir à me faire un boxy. Donc, depuis que j'ai découvert Avery, etc., je compte me faire un boxy. J'ai acheté le patron, donc le boxy Vinec de Rory Locatelli. Sauf que bon, je ne me suis pas encore lancée dedans et puis j'avais pas encore, je m'étais même pas encore vraiment penchée sur les laines que j'utiliserais. Et puis j'ai vu le podcast de Cocotte Knits qui présentait son boxy qu'elle avait fini dans une base avec de l'alpaga un peu poilu. Et j'ai tellement aimé le style que ça donnait au pull que je me suis dit, bah, hop, ces laines elles vont être parfaites quoi. Donc j'ai très très hâte de les castonner, c'est d'une douceur, je vous laisse imaginer quoi la base. Et d'ailleurs pour la petite anecdote, je suis restée mais sans rire une demi-heure, puisque j'hésitais entre ce coloris-là et son coloris Baguera, donc à la base c'est son noir, mais sur cette base-là il ressort gris anthracite.
Et je suis restée une demi-heure à toucher Lilène, à y regarder, à toucher. Et je pense que le mec de Pauline, il a dû me prendre pour une folle. En tout cas, je l'ai fait rire parce qu'il il s'est pas moqué, mais voilà, ça l'a fait rire de voir. Il me disait que j'étais pas la seule, donc ça m'a rassurée. Donc voilà, bah, mes achats à EF, j'ai acheté ça. Et puis j'ai acheté ce que vous avez vu là-bas, sa base Gaïa. C'était super, voilà, tout simplement. C'était vraiment génial. J'ai hâte de pouvoir revoir certaines personnes que j'ai vues là-bas. Enfin voilà. L'autre chose, le dernier achat, si, quand même, que j'ai fait à la EF, c'est que j'ai acheté le livre de Lysténor. Je ne l'ai pas encore fini, mais pour moi qui ai commencé le tricot au mois de juin, rien à dire. Il est très intéressant, il y a plein de techniques qui m'intéressaient. Alors, oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, je pourrais aller rechercher chaque technique une par une quand j'en ai besoin sur internet ou autre. Mais la qualité des illustrations, la qualité de l'écriture, la qualité des photos, enfin, je veux dire, c'est vraiment le format. Pour le prix, moi, je trouve que c'est vraiment un bouquin qui est super. Et je pense que j'ai une copine notamment à qui je pense qui tricote, mais qui s'est pas encore lancée dans les gros projets, dans le tricot en rond, etc. Je pense que je lui ai en commandé un. Pour lui offrir, parce qu'il est vraiment très bien fait. Enfin, moi, je ne regrette pas du tout cet achat, j'en suis très contente. Voilà pour la partie AEF. Après, il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est que j'ai eu la chance de gagner, donc le dimanche soir de l'AEF, j'ai vu que j'avais gagné au concours qui était organisé par Lily Neige pour gagner son livre qu'elle venait de sortir. Hop. Donc c'est Teinture, Technique, Inspiration. Donc c'est un livre en fait qui explique les méthodes, les astuces. Alors pareil, j'ai pas encore fini de le lire, mais il est très très intéressant. Moi pour l'instant, la partie que j'ai lue, ça explique les différents colorants, qu'est-ce que la teinture, les précautions à prendre quand on veut teindre, pardon, les différentes fibres, comment elles vont éventuellement réagir, d'où elles viennent, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant. Et donc après, je ne l'ai pas encore lu, mais vous avez donc les différentes techniques qui sont expliquées. Comment faire pour avoir une couleur solide, une couleur semi-solide, des speckles, etc. Enfin, c'est un bouquin qui est vraiment très intéressant. Et je suis très contente de l'avoir gagné parce que dans tous les cas, je pense que je l'aurais acheté. Parce que je pense. Alors là, j'ai pas la place. Mais comme je vais bientôt déménager, du coup, petit aparté. Mais suite à des changements dans ma vie perso, je vais retourner sur Grenoble, d'où je suis originaire. Donc petit appel aux Grenobloises, celles qui font des tricotés, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour me dire où vous les faites, quand vous les faites et si vous avez une petite place. Parce que malheureusement, je vais devoir quitter mes tricopins parisiens qui vont beaucoup me manquer. Et notamment tous ceux du tricoté Montparnasse qui, pour certains, sont vraiment devenus des amis. Donc voilà, si jamais je suis déjà en contact avec Anna, je lui ai déjà dit Anna, je vais revenir. Enfin bon, bref, voilà. Donc j'ai gagné ça, et puis j'ai gagné un écheveau, du coup, de laine à teindre en 100% mérinos. Voilà. Qui est très belle, très douce. Donc je suis super contente parce qu'en plus, les deux écheveaux, du coup, que Mélise m'a offert, seront teints dès que je m'y mets. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était juste pour dire, moi je participe au CAL qui est organisé par Ricardo Canary Lotus qui s'appelle Extreme Cycle CAL. Et donc voici les chevaux que j'ai décidé d'utiliser dans le cadre de ce CAL. Et donc moi je vais faire le modèle Color Affection de Vera Valimaki. J'en ai déjà parlé dans mon dernier épisode, mais c'était juste pour dire, voilà, on commence à être un peu plus nombreux. Si vous hésitiez à le faire, voilà. Moi, je me lance. Bien sûr qu'il y a un risque que les chevaux qui nous sont envoyés soient pas celui qu'on aurait forcément choisi, mais je trouve ça cool aussi parce que ça nous sort un peu de notre zone de confort. Je trouve ça sympa. Voilà. Et enfin, autre cale, j'ai craqué. Je vais bien sûr faire le pull secret.
de l'atelier Émilie qui est sorti et sur lequel tout le monde a un peu craqué. Donc c'est ce modèle-là. Et donc il y a un calque organisé par Laure du Grenier de Malane, à qui je fais un gros bisou, que j'ai vu à EF aussi, c'était top. Tricot Louloute, que j'ai vu aussi à EF, mais que je croise un peu plus souvent, mais que j'ai fait un gros bisou aussi. Et Sophie. Donc c'est un calque qui commence le 1er mars. Et donc dans mon stock, moi, j'avais l'alpaga de Drops avec de la kit silk. Donc c'est les gris perles, il me semble qu'ils les appellent. Pour l'alpaga, c'est le coloris 4010. Voilà. Et pour la kit silk, c'est le coloris 9. Voilà. Donc ça va être pour mon pull secret. Bah voilà, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais dire. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé tout l'épisode. Pour ceux qui sont partis avant, je peux comprendre. merci encore de me suivre, de vous abonner. Si c'est pas encore le cas et que vous avez envie de vous abonner, bah n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Et en sachant que j'ai commencé à acheter 2-3 petits trucs, petit à petit, pour organiser un concours pour mes 1000 abonnés. Donc dès que j'ai atteint 1000 abonnés sur Instagram, parce que là je suis à 920 il me semble, dès que j'ai atteint les 1000 abonnés sur Instagram, je ferai un concours pour vous remercier, parce que, voilà, encore une fois, ça me fait vraiment très très plaisir. Surtout en ce moment, qui est une période de, bon, c'est rien de dramatique, mais qui est pas des plus marrantes pour moi. Avoir toute cette communauté tricot, c'est vraiment, c'est le top, quoi. Voilà. Donc, merci. Passez, une bonne journée, ou une bonne soirée, ou un bon week-end. Je sais pas à quel moment vous regarderez cet épisode. Merci encore, et puis à très vite. There's a nail in the door and a glass on the lawn. Tax on the floor and the TV is on. And I know we'll sleep with my girls when you're gone. There's a plaid by the bed and a phone in my hair. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm home.